J'attends que la cour prenne toute mesure pour réparer cette injustice durant le précédent procès au Sable-d'Olonne. Merci. Comment vous sentez, M. Maracou ? Très mal. J'ai l'impression depuis un an d'avoir été donc tant sur le plan cérébral, physique, intellectuel, c'est un peu, je ressens une destruction humaine. Voilà, merci. Mon client vous a indiqué ce qu'il ressentait aujourd'hui, à la fois une grande douleur de se retrouver face aux victimes, auxquelles évidemment sa compassion va, et aussi une grande douleur de l'injustice qu'il a subie au tribunal des Sables-d'Olonne. Et il espère que la cour, cette fois-ci, l'entendra et que le procès sera équitable. On plaidera l'arlax, mais M. Maratier ne conteste pas qu'il n'avait pas pris la mesure du risque, mais il expliquera que justement parce qu'il n'avait pas pris la mesure du risque, il n'a pas voulu ce qui se passait, il n'a pas pensé possible ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc c'est ce que nous allons tenter de démontrer à la cour, la chaîne de responsabilité. Nous assumons notre part de responsabilité, mais la chaîne de responsabilité qui a mené au drame de Xintia.